Mesdames et messieurs, une autre fois encore nous retourner la caillou. La police fait gros coup. Environ 6 individus tombés, mesdames et messieurs. La police qui criblait plusieurs bandits en babal, zam récupéré. Nous prenons le temps de causer, nous prenons le temps de détails. République dominicaine répond Dominique Dupuy et yo dit que toute accusation que Dominique Dupuy fait sous yo, c'est pas vrai, yo parle en pile causé, yo dit en pile bagaille. Nan réponse que yo voyez by madame Dominique Dupuy, c'est une information que nous pral tendez en dans capsule ça. Nan zone Solino, situation rete compliquée, c'est pas des coups de balle cap pété. Nous vini avec mise à jour sous dossier Solinoa. Nan taba, la police rive fait un gros coup puisque gen un bandit qui tombait. Chef gang vite l'homme encore une fois prend coup nommé la police puisque soldat monsieur a tombé là en babal la police. Nous prenons le temps de causer, nous prenons le temps de détails. Dans la Tibonite, situation continue compliquée. Eh bien chef gang Savien continue à faire crime dans le département la Tibonite malgré gain divers policiers avec divers blindés qui ont même installé dans la Tibonite. Les États-Unis, bon côté pal, mettaient un embargo sur Haïti pour aucune zam pas qu'à rentrer en dans pays. Depuis ce sac qui rapport à zam, les États-Unis mettaient embargo sur yo dans pays d'Haïti. C'est une information que nous pral développer pour vous encore une fois en dans capsule ça. Gary Conille fait connaître CPT a pas gain nul droit pour lui faire changement dans gouvernement pas là. Il dit que CPTA pas gain aucun accès pour faire un bagaille comme ça et lui voye réponse by CPTA et dans cadre changement que CPTA te besoin faire, eh bien Gary Conille rédiger une lettre comme réponse pour Leslie Voltaire. Nous prenons le temps des informations ça yo en dans capsule ça. Eh bien c'est une capsule qui chargée avec information qui charge détail. Eh bien, mesdames et messieurs, nous pral avancer directement dans l'information. Ti John, mon frère, nous pral balancer directement dans la capitale PIA que nous tendez qui gagne pile actualité, en pile coup de balle à péter. Comment ça est, mon frère, qui soit porté dans Djakoutou pour internaute Djakout Nouvelle yo? Eh bien, et bonsoir PDG, bonsoir Maître Fini, bonsoir Sonso, bonsoir tous les amis internautes Djakout Nouvelle yo. Eh bien, effectivement PDG, jodi a nous capable di c'est une autre journée noire liée et pour pays d'Haïti côté que eh bien nous capable di et nèg vivant sans mieux même depuis eh bien la veille 17 octobre là eh bien nèg ça eux même yo acheté et Port-au-Prince l'argent comptant eh bien par rapport ensemble avec attaque que yo t'ai fait et sous Chadmas 17 octobre eh bien et pour continuer jusqu'à 18 et 19 octobre à soir là même nous jeudi 19 octobre là ben nèg vivant ensemble continuer à frapper et ceci c'est dans Solino côté que situation lui-même li dégénéré et ben et moun Solino yo pas konn ki sin pou yo rele encore et ben malgré que yo lancé en pile SOS ben by by autorité en place surtout la police mais t'assemblé voir moun Solino même yo pou ko rive exactement dans oreille dirigeant si là pour capable eh ben voyer au moins un groupe policier pour capable ben mater bandi ça même qui voulait et prendre Solino. Donc situation lui-même était extrêmement dégénéré pour jodia malgré que était gain plusieurs blindés mais qui pas suffisant eh ben pour capable bataille avec bandi dans Solino surtout bandi même utiliser stratégie c'est eh ben plus la nuit yo attaquer Solino dans l'heure on connaît que la police lui-même pas trop présent pour être capable de batailler ensemble avec eux, ben c'est les ça ils utilisent pour capable attaquer Solino. Donc c'est pas seulement Solino tout, ben PDG qui n'a problème ça, gagné Delma 24 qui coulé avec Solino, gagné oui Anglade, gagné Fort National, ben toute zone ça ou même si et zone rouge qui est et Mounio pratiquement a vidé les lieux, a quitté zone ça parce que ben
bandi yo vraiment vraiment avancé eh ben sous moun sa yo et moun Delma 30 moun Crisoa moun nous capable di canapé vert moun Turjou eh ben toute zone sa yo même moun la lue toute zone sa yo même yo pratiquement sous gros alerte dans moment n'a parlé là parce que immédiatement Solino tombé eh ben toute route Delma nan couri toute zone avoisinante yo nan couri parce que eh ben Solino gen plusieurs débouchés sous li qui menaient alors disons vers Solino donc ça qui vient faire que bandi yo pral jeune plus opportunité pour capable eh ben sortir à faire kidnapping ou bien à attaquer l'autre zone par exemple là prend zone Delma 30 eh ben Solino gen plusieurs débouchés qui bay sous li surtout zone Kafou Samida là avancer et jeune l'autre Kafou eh ben au Piba donc toute zone ça c'est zone qui débouché qui capable mener en direction de Delma 30 qui capable faciliter que bandi yo même yo attaquer Delma 30 et attaquer Delma 30 c'est dit attaquer Delma 31 attaquer Delma 32 parce que yo tout prêt donc c'est pral avec facilité que eh ben nèg vivent ensemble yo même yo pral gen contrôle ou Delma et l'en quitter Delma 30 nous dit Crisoa eh ben toujours Kafou Samida li mener directement vers Crisoa et attaquer Crisoa li veut dire attaquer Boudon attaquer eh ben monter en l'air Pétionville donc toute zone ça aussi pratiquement zone qui gen gros alerte sur yo si Solino lui même n'est tombé et c'est pas seulement eh ben Crisoa avec Delma 30 gen et Balalu tout eh ben immédiatement Solino tombé Balalu tombé tout immédiatement Solino tombé moun canapé vert eh ben pral gen gros alerte sur yo parce que eh ben bandi vivant ensemble pral gonfler force pour prendre canapé vert donc ça moun canapé vert même yo doué préparé yo et en force pour capable contrecarrer monsieur Sao et gagner tout zone Paco zone et Turjou et ben toute zone Sao même yo pral pratiquement et ben na gros problème immédiatement Solino tombé parce que et ben Solino lui-même c'est pratiquement sent et c'est pratiquement porte d'entrée bam dit plutôt porte d'entrée toute l'autre zone Sao que qui yo même qui avoisiné et ben et zone Solino donc comment ça t'est pour matin depuis eh ben vers l'heure bon pas dire vers l'heure parce que toute nuit là depuis avant hier monsieur a frappé mais journée ça lui-même était extrêmement dur pour mon Solino au contraire eh ben mon ouais c'est tout bon reprendre en rond donc il est obligé commencer vider les lieux qui était caillou prend la rue mon cavalise dans main petit bébé puis à terre mon cap courir tellement coup de balle vraiment fort dans zone Solino donc eh ben gagne rue Anglade lui-même qui complètement perdu dans le moment où on a parlé à là, eh bien, monsieur, surtout avec Belé, même, il prend contrôle rue Anglade, qui rue Anglade lui-même, lui, il va essayer de positionner pour nos amis internautes. Eh bien, là où on a rue Anglade, on a contrôle tout Solino en bas. C'est comme si il y a une moitié mon que lié. Eh bien, là, quand il a donné, on a regardé tout Solino en bas, tout Delma 24. Donc, immédiatement, monsieur, même au niveau de rue Anglade, eh bien, on a campé dans rue Anglade. Il y a vos coups de balle Solino, vos coups de balle Delma 24. Et même oui, Anglade, ça lui-même, il y a une possibilité pour monter au niveau de Fort National. Ça veut dire, oui, Anglade, là, il pratiquement. Immédiatement nèg yo prend li pratiquement bay accès avec Solino Delma 24 et Fort National et dit Fort National dit base boy là tout qui en l'air puisque nèg belé yo ça fait un bon bout de temps depuis que au besoin craser base boy là qui sous belé et qui sous Fort National disons ben à cause de base boy ça ben monsieur le même était toujours en difficulté pour te prendre contrôle Fort National ben c'est pratiquement rue Anglade qui bay monsieur plus possibilité pour capable ben gien contrôle Fort National à toute base bord là et même gien contrôle tout Solino et Delma 24 et pas seulement nèg belé tout qui a attaqué Solino gien nèg barbecue tout qui pratiquement fait en coalition ensemble avec belé pour capable attaquer Solino et joindre renfort tout de village de Dieu et nous connaît Izou lui même l'a dirigé et joindre renfort tout de l'autre monsieur nous connaît qui mettait tête dans vivre ensemble connait là donc depuis on a attaqué c'est pratiquement yo tout qui a attaqué donc yo fait un fond commun pour capable craser Solino eh ben depuis la veille et 17 octobre on a parlé de 16 octobre dans soir eh ben mon Solino mon Delma 24 mon Fort National c'est un match souffé à monter eh ben les journées 17 octobre là était passé difficile pour yo hier 18 octobre là c'est compliqué complètement noir pour yo et jodi al pire donc tellement comme si bandi eh ben et vivant ensemble eux même yo décidé craser et Solino donc non ça qui gagne avec Solino toujours eh ben Balmaron pas suspend et voyager sous tête mon et PDG donc
tellement comme si il y a pile et coup de balle qui a chanté dans Solino. Donc entre nous capable dire bandits avec force résistance et bandits avec la police, donc ça vient faire que gros mariage coup de balle qui a fait en dans Solino dans rue Anglade, toute zone fort nationale, toute zone Delma 24. Donc c'est coup de balle qui a chanté sans arrêter. Eh ben et ça qui vient faire que eh ben et balle marron eux-mêmes, ils ont tombé et zone Crissois, ils ont tombé zone Lalu, toute zone Paco. Un bel coup de balle lui-même, yo al tombé, alors balle marron disons al tombé et Delma 30, ils ont qu'à froid au port et coup de balle alors balle marron lui-même, yo al tombé, ça qui vient faire que il y a plusieurs victimes qui recensées, eh ben et bon côté population même qui recevoir balle marron et la commune c'est un coup et neige cap tombé tellement balle marron lui-même y a tombé dans la commune. Donc il y a plusieurs images tout qui virales sur réseau PDG que tu es capable de garder et il y a monde qui mettait n'importe 3-4 balles marron dans plat mais il a montré ben qui quantité balle lui-même qui a tombé dans la cour la caillou. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave dans le moment. Donc il y a un jeune garçon malheureusement qui tombé au niveau de Paco qui recevait un balle marron lui-même pas d'aller la cali. Donc il était couru à l'hôpital avec mais malheureusement il mourut au niveau de l'hôpital. Donc c'est ça balle marron lui-même qui passe spawn tomber dans la commune, c'est ça fait demander tout le monde qui toujours habite dans zone avoisinante et Solino. Donc faut que faire en pile prudence et faut que éviter utiliser d'eau caillou et faut que éviter rester dans la cour toute journée ou bien plus de et marcher sans pour pas faire rien parce que balma on peut tomber. Donc il préférable sous pas sortir sous pas faire rien juste être dans la cour malgré que on dans la cour nous connaît que ou pas épanier parce que il y a une demoiselle dernièrement là qui mourit en de la calée qui a 18 ans. Donc c'est en de la calée qui puis recevoir balle marron mourir. Donc ou même tout ou quand toujours en de la calée ou mourir, mais nous conseillons quand même rester en de la calée parce que ça qui arrive les balle marron à venir c'est non poteau frapper, non mille frapper, non bloc qui frapper, vous comprenez. Donc quand même ou capable protéger tête. Donc c'est ça qui gagne toujours dans dossier qui gagne avec Solino. Et ben monde Solino Delma 24 même jodi a été endiablé PDG. Les comme si situation dépassé yo eh ben les au besoin et débarrasser de bandits ça qui envahi et Solinoa ben yo c'est tout bon en on bandi vle prendre zone nan mer yo eh ben yo té quitté Solino population té quitté Solino quitté Delma 24 yo té monté au niveau de Nazon eh ben bloqué circulation bouler caoutchouc et tout Nazon en passé et descendre pour arriver bon safari motoza eh ben bouler caoutchouc bloqué route là mettre camionnette en quoi eh ben empêcher circulation les mêmes les fêtes normalement pour être capable de demander autorité dans la police même dit un mot avec Solino parce qu'il n'est pas d'accord Solino perdu. Solino doit être campé, Solino doit être une force résistance solide qui gagne d'après ça même fait qu'on est. Donc il était bloqué route Nazon, il bloqué Kafou Samida, bloqué Monje aussi, il descend sur la lui boule caoutchouc tout bonne rue chrétien et ben toute la route caoutchouc qui a boulé et passé monter sous boudon toute zone OPC pour monter sous boudon là toute net zone ça ou même yo était vraiment ben grand pile en pile caoutchouc qui a boulé pendant journée. Donc ça qui vient faire que circulation les mêmes était extrêmement difficile pour aujourd'hui et beaucoup de monde qui ont même qui a fréquenté zone ça ou soit sous Nazon soit sous boudon ou bien la lue ben zone ça les mêmes était vraiment et barricadé avec caoutchouc même qui a boulé. Donc population les mêmes dans zone là qui continue à demander pour la police lui-même lui dit un mot dans dossier Solino parce que dossier Solino lui-même Solino pas d'eau perdu puisque Solino c'est pratiquement sainte ou bien rentrer en pile l'autre zone qui avoisine eh ben Solino tant que Delma 30 Delma 32 Delma 34 et tant que Crissois et tant que la Lu Boudon eh ben et même toujours canapé vers toute zone ça yo même yo vraiment concerné par ça qui a privé Solino journée jeudi à ça fait tout le monde dans zone ça doit faire un fonds commun pour sortir pour exiger l'état lui-même à travers tout blindé ça qui gagne dans pays là surtout force multinationale lui-même qui présent dans pays là. Donc yo supposé eh ben faire un fonds commun pour demander l'état voyer blindé au niveau de eh ben et Solino Delma 24 rue Anglade Fonds national pour capable shooter des monsieur Sao pour faire eux même yo retourner dans base ou bien craser base bandi Sao même qui voulait bailler problème au niveau des Port-au-Prince. Donc c'est ça eh ben yo té alors moun nan Solino té sorti bloqué et bloqué avenue et alors c'est pas avenue Christophe c'est
route nazon, ok, nous nous sortions bloqué route nazon, yo bloqué l'alu, yo bloqué boudon pour empêcher la circulation lui-même les fêtes normal jeudi. Yon l'autre information encore et PDG les amis internautes qui toujours gain rapport ensemble avec Solino, et ben d'après information qui arrive je nous bien beau de matin, t'es gain un camionnette qui t'a sorti et dans base bandi nous connaît qui dans rentre sud capitale là soit village ou Gravine, mais nous pas gain et position exacte côté était sorti, mais yo t'a prendre direction Bel Air. Monsieur t'es prendre direction en ben route nazon, yo t'a utilisé route ça pour être capable entrer pour aller au niveau de Bel Air ou bien Solino je crois pour aller bailler renfort. Donc kounya la monsieur yo censé les arriver sous nazon, le fait que route là lui-même li bloqué, donc yo vinn pas qu'à traverser, yo découper route, il a passé par Crissoa. Donc pendant il a passé par Crissoa, il a tenté pour dévier et bien et contrôle la police qui était sous place, mais la police même qui était très sous main yo que me féliciter yo, et bien la police lui-même yo remarqué camionnette là et qui gen chargé jeune garçon là, tout nèg qui était dans camionnette là tout était chargé avec zam, et bien la police même qui était campé camionnette là pas campé, et la police même était ouvert coup de zam sur camionnette ça, et bien ça semble que plusieurs bandits ça qui sorti mortellement blessé, de gen plusieurs bandits ça qui sorti mortellement blessé, mais et yo la police intercepté disons et chauffeur camionnette là, et ben et chauffeur camionnette a même le fait qu'on est que et ben et c'est couteau yo blessé li avec couteau pour être capable lui-même à le mener au côté même yo t'a parlé là, donc monsieur ça même t'a pas bailler renfort, donc la police même l'était intercepté au niveau de et ben et Crissoa côté monsieur même t'a tenté dévier dans zone pour éviter que yo te gagne contrôle sur dans zone à cause de là qui était bloqué, et la police même n'a pas le contrôle au niveau de Crissoa. Donc c'est ça information en lien. Donc l'autre information lui-même qui gagne toujours dans ça qui gagne avec monsieur Vivant Samuel qui a frappé, eh ben pendant journée eh ben il était canal eh ben midi et 31 tout midi 59 tout 1h, eh ben il était pile coup de balle lui-même qui t'a chanté aux environs de stade national Silvio Cator. Eh ben nous connaissons dans zone ça, c'est pratiquement nèg iso qui contrôle et stade national Silvio Cator, et passé tombé eh ben zone des cimetières Port-au-Prince Sénèg ti l'appli ensemble avec nèg et Ezekiel Alexandre qui gè contrôle périmètre ça. Eh ben mais depuis quelques temps nèg ça yo quitté en bas zone réelle à l'aide que yo monté et en les zones avenue Magloire-Amboise, yo même pour y aller casser kay moun, pour y aller voler sa moun gagné, battre moun, etc. Donc la police après plusieurs alertes population qui lancé dans zone ça, et ben la police elle était fait descendre dans zone là et pendant 2 à 3 fois. Ça qui t'a pas fait que gain plusieurs échanges de tir qui était gain entre la police avec bandits jusqu'à ce que nous connaissons nous t'ai perdu un policier malheureusement qui t'ai pris une balle dans yeux qui était mort sur place. Mais il y a plusieurs autres bandits qui étaient morts dans une avenue Magloire-Amboise. Après ça, eh ben la police est venue bavag bandits autour ont été repliés dans base. Mais depuis avant hier là, tu as eu plusieurs alertes qui t'ont sorti beaucoup de population toujours dans Magloire-Amboise côté que tu as demandé la police pour retourner dans zone là par rapport avec bandits, même chaque là où venait na soi, yo mettait des feux dans caille. Et effectivement, il y a plusieurs cailles dans Magloire-Amboise qui boulaient rapidement surtout dans zone bord ben et États-Unis école professionnelle. Donc la police même qui font paraître matin encore ben sorte de là coup de balle fait Mikala dans zone Magloire-Amboise, ben toute dans zone bord stade national Silvio Cator, c'est pas deux coups de balle qui t'a acheté. Donc la police même avec nèg vivant ça encore une fois qui t'a trop qui connu dans zone Magloire-Amboise. Donc c'est ça information, et même pour qu'on connaît est-ce que gen mort d'homme et soit beaucoup de la police ou bien beaucoup de abe badio, nous pour qu'on information ça. Donc n'a bousqué information toujours et PDG. Donc et dernière information pour nous capable finir avec dossier c'est la PDG, c'est SPNH 17 lui-même qui dans une note yo sorti yo dénoncé catégoriquement policier Kenya ou même qui est dans pays a qui vient bataille pour capable combattre insécurité. D'après ça SPNH 17 lui-même il fait connaître et il y a plusieurs policiers qui dans unité spécialisée, on parle de policiers unité spécialisée, on parle de SWAT, on parle de ITAG, on parle de Boyd, Simo, Idmo, bam dit Idmo plutôt, bam dit qui était Simo, bam dit Idmo, OK?
Donc, toute unité SAO, c'est unité spécialisée. Eh bien, policiers SAO même, ils ont plaigné pour les policiers Kenya même qui n'ont pas eu aucune volonté vraiment pour combattre la gang. Monsieur Ovini, mais tout le travail autant de ou bien toute participation autant de policiers qui n'a participé dans l'opération Belagal, c'est policiers haïtiens qui a bataille, c'est policiers haïtiens qui mettent pied à terre, qui a fun figu bandi. C'est pas jam policiers qui n'a vrai d'ailleurs plusieurs fois nous avons des plaignants qui sont bon là bon côté policiers qui fait connaître que ben policiers qui n'a même les rivent côté. C'est soit ils fait route pas yo, c'est soit comme si yo campé en rébellion. OK? Ou bien c'est soit yo du c'est yo qui a dirigé, c'est yo devant, c'est yo qui a mené opération. Donc quelque part, vinn pas gagner yon harmonie entre policiers haïtiens et policiers kenya eux même qui sont territoire. D'ailleurs, policiers haïtiens yo déjà a plaigné pour policiers kenya ça eux même qui pas gagner aucune volonté pour capable résoudre ça gain là. Donc quelque part, pour un pile monde ça pas nouvelle parce que depuis là eh ben yo te dit c'est Kenya qui a venu de la mission en Haïti, tu as dit bon Kenya pas aucune volonté vraiment pour résoudre ça là, donc Kenya pas besoin venir. D'ailleurs nous capable même remarquer ça depuis sous l'hôpital général, yo dit au prend contrôle l'hôpital général pendant juste moment on n'a pas la voilà là, aucun monde pas capable passer l'hôpital général. D'ailleurs même aucun travail pas fait dans l'hôpital général pour rénover. D'ailleurs gars qu'on était dit c'est un projet que les gagnent. D'ailleurs, avant le 17 octobre, là, ils ont organisé une cérémonie dans Mipana. Tout bon l'hôpital général, ce n'est pas deux coups de balle qui t'a pété. Les vivants sont montés, ils ont déclenché coups de balle au niveau de Chadmas. Ok? Donc, les policiers Kenya, les policiers sont pleins pour eux parce que monsieur eux-mêmes n'ont pas voulu la bataille contre gang qui est là. Donc, la communauté internationale là, d'après toujours pénal 17, yo même yo vle, si yo vle aider Haïti, donc yo supposé retirer Kenya li même comme moun k ap mené mission en Haïti. Donc bayon l'autre pays qui vle, un pays tankou Bénin, un pays tankou pays Naim Boukele, ah oui, gade ki j'aime lier non pays ça mais c'est et pas Équateur non. Malheureusement, nous avons échappé moins, nos pays ont échappé moins. Mais donc, on paye tant que le président Boukele a, ensemble avec Bénin, pays ça a intéressé pour mener mission parce que il dit que il même il cap plus facile pour tes résultats à ça là. Ben que au bayol. Donc Kenya qui pas gagné l'a fait que vienne défendre l'argent que ben il a pris là dans les Nations Unies. Hein. Donc que retire Kenya là parce que nous même n'a souffri. Regardez Kenya là et pas tant date là depuis mois juillet ou là. Eh bien, jusqu'à moment n'a pas la voilà massacre fait sous yo là blindé boulé nan men yo, mais bandi a avancé sous solino là men yo, rien aucun territoire pour récupérer, nous pour jamais tendre on mission de grande envergure qui menait côté yo t'ab dire Kenya au moins li ba yon bagay. Donc jusqu'à présent c'est gros plein pour soldats sao qui en Haïti, surtout pour les nous qui plein pour embé soldats force multinationale là même qui n'a pays qui pas aucune volonté disons pour capable contrecarrer bandi yo même qui continue à imposer la loi sous la population hein, et qui continue pour le territoire et dans la même population. Hein. Donc, c'est ça l'information du PDG. Nous sommes partagé avec Mosso et l'information avec les amis internautes. Nous sommes toujours là, nous avancer dans l'autre point qui est abdominé l'actualité des amis internautes. En pile monde te quoi, dossier de monsieur CPT braquage BNC est fini. Eh bien, tribunal première instance dans Port-au-Prince, li choisi continuer avec dossier. L'important pour nous dire, dans la date 7 octobre 2024 passé, nouvelle qui était sortie Port-au-Prince avec image tout te montré, une cérémonie Katumbe, une cérémonie droite et gauche qui était organisée lorsque Leslie Voltaire, sans aucune passation pouvoir, li te prend tête CPT. Mais avant les stivol tête prend tête CPTA en pile monde te gen temps ouais c'est un CPT qui te gen temps manqué yon grenje CPT a te manqué yon main yon pied à la fin question CPT
dans le pays d'Haïti, le scandale BNC a l'éterni image CPTA. Donc, Leslie Voltaire prend tête yon CPT qui manque mousso, yon CPT qui fin sale, qui avili, qui tout uni, yon CPT qui littéralement te manqué. Pendant m'a dit ça, et mousso. Eh bien, sous même parole ça, nous avons rappelé. Question CPTA li retourné sous table puisque tribunal première instance li décidé jodi ça même pour le capable désigner juge Benjamin Félix-May, c'est doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui choisit Benjamin Félix-May pour instruire dossier BNCA. Dossier ça qui mettait en cause trois conseillers présidents yo. Li envisage convoquer membre CPTA qui cité dans rapport ULCCA. Eh bien, d'après source que nous fait confiance, nous apprenons que juge Benjamin Félix-May lit avant yon bon grain. Mais nous connaît les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui donc juge Benjamin Félix-May li ka toujou yon bon grain an dan système nan et puis dossier ki nan men la fait le passer à côté ou bien fait le voyer vente li. En tout cas, tribunal première instance Port-au-Prince li fait travail li. Côté unilatéralement yo choisi Benjamin Félix-May ki gen pour mission là pour quoi li là pour li al instruire dossier braquage CPT BNCA. En tout cas, à partir de semaine lundi qu'a vinn là, trois membres CPTA, ti monsieur CPT yo pral commencer à faire yon navette, yon monter descend, yo pa bien derrière pour chita, yo pral paraître devant et juge instructeur Benjamin Félix-May pour continuer à répondre question sur ça qui gen rapport avec tentative yo t'a fait pour te braquer pour te casser BNC. Non songe Jean-Raoul Pascal Pierre lui-même li te fait dénonciation dossier assemblé pourquoi fini contrairement à ça pile moun te pensé. En tout cas c'est semaine qu'a vinn là, c'est jou qu'a vinn là qui pral vraiment montrer et que dossier ça li poukou fini. Et puis dans ça qui gen rapport toujours avec nouvelle yo, gouvernement pays Saint-Domingue li voye jeté bien loin accusation autorité haïtienne yo fait sou yo dans ça qui gen rapport à déportation massive ressortis haïtien yo, comme quoi c'est à cause raciste d'état que dominicain a pimpé haïtien au dehors frontière que le partage avec Haïti vinn joindre nous. Et puis président dominicain Luis Abinader li annoncé li di immigration irrégulière li cause trop pression économique sous gouvernement ak service public gratis. C'est-à-dire pendant Abinader fait déclaration ça li di haïtien ki l'autre bon hein, yo joui trop de programme gratuit yo. Tant coup par exemple et programme qui gagne pour femmes accouchées dans n'importe service maternité gratuitement gratuit. Et bien Abinader estime que gagne trois femmes haïtiennes qui bénéficient de programme ça. Donc et haïtien vient nous représenter un poids économique sous dol, c'est sa président Cédo Meglan, président dominicain Luis Abinader Corona li annoncé pendant li te fait une déclaration publique pour la presse jodi a pendant t'a répondre question sous déportation massive et avec irrespect pendant pas respecter droit moun n'a fait songer gen plus que 18 000 haïtiens que Abinader gen envoyé tourner la caillou. Et pendant deux dernières semaines, ça y est. Et puis, il est important pour nous rappeler toujours dans ça qui a rapport avec l'information. Port-au-Prince, te connaît une journée tête en bas aujourd'hui. Une journée qui était Solino, qui était Delma 24. Généralement, si nous prenons cité, non, on a fini pas seulement fait et bouté mission ça seulement dans cité, non. C'est Port-au-Prince avec zone qui est environnée au complet. Qui te connaît une journée calamité, une journée souffrance. Nous avons une dame ça qui quittait la Cali au niveau de Solino, quand la terre joue Pétionville, qui ça l'a fait là. Le deuxième marché l'a marché puisque bandit touye tout le monde la Cali. Et peut-être c'est là où nous finissons de casser maï, pour nous trier bougon,
puisque pour l'heure n'a parlé là et pour que personne pas qu'a dit qui dégât que vite l'homme fait tabac qui dégât si monsieur vivant sans mieux fait dans tout cœur Port-au-Prince qui dégât si monsieur vivant sans mieux fait dans Solino qui dégât si monsieur vivent ensemble yo yo fait aussi dans l'autre zone yo et puis phénomène balmaouan li c'est principale préoccupation et en pile moun nan Port-au-Prince je ne t'ai pas parlé ça nan première émission nou pour journée sur channel Jacout Nouvelle côté nous t'a présenté définitivement et phénomène balmaouan comme étant un phénomène qui très redoutable puisque la majorité monde sorti 17 octobre là pour arriver jodi a majorité monde qui mouri yo c'est des monde qui prend balmaouan c'est quand mademoiselle ça dans Solino c'est quand grand monde ça dans Turjo c'est quand et dame ça tout dans Magloire Amboise gien pile l'autre cap balmaron nous capable citer bien balmaron tourné yon principal adresse point pile moun dans Port-au-Prince ak zone qui environne Port-au-Prince yo et puis l'autre nouvelle toujours gagné Gary Conny lui même qui écrit membre CPTO en l'occurrence président CPT a parlé de Leslie Voltaire côté Gary Conny jeté en pile accusation sous deux membres CPTO d'après avoir c'est pas des moun d'après avoir c'est pas et des moun qui montre responsable du tout d'ailleurs Gary Conny dit li pensait que moment ça li pas propice pour faire un remaniement ministériel Gary Conny dit moment ça li pas propice pour n'ap goumé Gary Conny dit dans lettre ça que le voyait tout ouvri bail CPT a qui gen dans tête les représentants famille Lavalas ak intérêt Jean-Bertrand Aristide Leslie Voltaire Gary Conny dit c'est pas seulement gouvernement qui gen chaille pour poter CPT a li même tout li gen part de responsabilité parce que transition ces deux branches li gagné branche CPTA qui symbolise la présidence et puis Gary Conny premier ministre chef gouvernement et ben Gary Conny li même tout li attaqué Leslie Voltaire pas de Leslie Voltaire t'a fait tête li paraître comme un mouton blanc et ben dans l'aide Gary Conny là li remettait Leslie Voltaire dans rôle li donc le rappel Leslie Voltaire indirectement dans l'aide là le rappel Leslie Voltaire pas tout ça que la présenté li a en tout cas pendant temps sa bataille au pire au sommet l'étape continue, bataille dans pire au sommet l'étape continue entre Leslie Voltaire et Gary Conny pour qui ça personne pas connaît pendant société à lui-même les continuer à effondrer et puis parti politique aidé je te dis là l'échanger coordonnateur général Claude Joseph prend décision ça pour le capable couper fâché ni ak Stéline civil ni ak Smith Augustin a rappelé jodi a qui fait corps contre Claude Joseph et Claude Joseph estime que Stéline civil trahit Stéline civil son traite et quant à Smith Augustin même Claude Joseph dit li pa reconnaître Smith Augustin comme conseiller président et monsieur dame Chiri Pitland de société a l'a continuer. Nayon résolution parti politique aidé à prendre date 15 octobre 2024 passé à eh bien délégué parti EDA yo nommé Job Berson comme coordonnateur national mouvement paysan aidé n'a signalé Job te joué rôle coordonnateur départemental Job te joué rôle coordonnateur départemental et département centre qui donc et monsieur prend promotion et puis toujours dans ça qui gère rapport avec information yo n'a quitté dossier parti politique aidé côté Claude Joseph lui-même licencié mandé généralement et pour yo pas citer non Smith Augustin comme représentant aidé en dedans KPTA, c'est selon Claude Joseph, d'après ça, il dit, Smith Augustin, ta va plus sembler avec un homme cap et usurpé. C'est un usurpateur de titre, puisque d'après les Smith Augustin, pas ça. Et li pas fait ça le voyez le fait là donc Claude Joseph dit pas citer non le bon côté volo pas citer non le bon côté malfra d'après lui même Smith Augustin c'est du passé son cadavre politique en dans CEPA un jour après un scandale te fin déclenché dans ça qui gère rapport avec installation membre
et CEPO, donc gen CPT, gen CEP. Donc institution à trois lettres yo, institution trois lettres yo dans pays a yo continue à prendre naissance. Après dossier CPT, Conseil présidentiel transition, nous praler dans Conseil électoral provisoire CEP. Eh bien, Conseil électoral provisoire, dans le cadre de Chita Palais, ont fait entre eux, ils ont choisi un bureau qui pourra diriger CEPA dans le jour qui vient là. Eh bien, bureau CEPA est désormais constitué, il est désormais monté, et c'est représentant l'Église catholique, là, Patrick Saint-Hilaire. C'est représentant l'Église catholique, là, Patrick Saint-Hilaire. C'est monsieur qui vient président CEP. Attendez bien, c'est l'Église catholique qui prend direction CEPA. C'est l'Église catholique qui prend direction CEPA. Et représentant l'Église catholique là, c'est Patrick Saint-Hilaire qui désormais, dorénavant, c'est lui-même qui vient président. C'est les mêmes qui viennent président CEPA. Et puis, il y a Schneider Adli qui se vice. C'est Schneider Adeli. C'est pas Adli, c'est Adeli qui vient vice-président. Il y a Jacques Desrosiers qui vient trésorier. Il y a Nemrod Sanon qui est secrétaire. Pourquoi on a parlé là? CEPA fonctionne avec 7 membres et sur 9 membres qui prévoient. Représentant secteur droits humains à organisation FAMIO. Il y a beaucoup fait rentrer yo en dans CEPA. C'est pour la première fois depuis 2006 que droits humains et organisation FAMIO n'ont pas voyé représentant dans le bureau CEPA. Et puis, l'autre nouvelle toujours, il y a un ministre de défense là, n'a parlé de monsieur Berthier. Pendant le temps de participer dans la 16e conférence ministre de défense américaine qui était organisée en Argentine et ministre de défense région américaine, il y a aussi une déclaration qui est la déclaration Mendoza. Dans le document, ça, il prévoit pour porter soutien régional accru à force armée pays d'Haïti ADH. D'après ministre haïtien défense qui a participé à l'activité, ça, les discussions ont été portées tout sous intelligence artificielle militaire dans l'Amérique là, défi climatique et inclusion FAMIO. Ministre défense pays d'Haïti Antoine Berthier lui annoncé qu'il pourra le rendre aux États-Unis semaine prochaine pour discuter de coopération et équipement militaire qui est nécessaire pour lutter contre gang armée. Qui donc nouvelle yo même yo pas de jambe camper sous Chanel Jacout nouvelle et bien gagné tout. Et diverses organisations droit moun, l'autre nouvelle, qui criait au scandale après installation CEP actuellement 7 membres. D'après organisation société civile, ça, absence représentant secteur droits humains et droits femmes, c'est un gros handicap pour CEPA et pour crédibilité. Organisation ça a mandé CPTA pour compléter l'ISLA au plus vite. Il a invité CEPA pour même qui installé pour ne pas prendre aucune décision pas avant que l'y complète. Mais contrairement à sa organisation, ça y dit, eh bien, cette même qui là, yo pas attendre, yo pas ouais, yo prend devant, le yo nommé Patrick Saint-Hilaire, représentant l'Église catholique là, et comme président CEPA. Qui donc c'est l'Église catholique, nous songe après scandale, bateau ZAM, après scandale conteneur ZAM. L'Église épiscopale, non songe, bah, ça te fait un scandale dans le pays, hein. Eh bien, c'est même l'Église là qui vient président CEPA. Et c'est sa nouvelle là, c'est sa bagaille là, pourquoi n'a pas là. Eh bien, nous a fait un campé là sur information yo pendant n'a rappelé que Port-au-Prince toujours en bas coup de balle mon yo depuis jeudi passé a habitant dans plusieurs zones dans Port-au-Prince pas contre qui c'est pour yo relé gang yo même yo envahi Port-au-Prince vivent ensemble envahi Port-au-Prince. Est-ce que gon remote contrôle qui a checké cap chougoné et violence dans Port-au-Prince? Eh bien, rien pas changé. Jean Mounio te dormi et qu'on s'est relevé. Nous avons gardé un pile monde tabac qui a branché mes crochus. La police là, lui-même, lui fait un bec. Mais un pile monde dit ça pas suffit. Mais pourquoi elle est là? C'est toujours une escalade violence dans Port-au-Prince après que
et nèg examen yo même yo fin envahi plusieurs zones. Est-ce que ces bandits cap chercher prendre contrôle l'autre territoire? Moi pas quoi ou ta besoin craser quoi ou comme ça parce que l'état remet Port-au-Prince by gang yo. Et bien l'important pour nous dire que pourquoi on a parlé là, Port-au-Prince tourné en capitale Madichon, Port-au-Prince tourné en capitale tête fait mal yon. Capital tête bon capital glonanger yo capital ki bay ke plein en capital couri toute journée c'est toute journée mon Port-au-Prince a couri l'état pa di rien dans ça et même l'homme dit l'état au lieu l'état di on bagay c'est goumé. C'est goumé de préférence qui gagne dans tête c'est entre CPT avec Gary Conille. Leslie Voltaire te déclaré Gary Conille la guerre, eh bien je dis à Gary Conille, il répond à la guerre, définitivement à la guerre. Comme à la guerre, messieurs, dames, c'est ton plaisir pour nous t'étendre sur Chanel Jacoute Nouvelle. Ou qu'on ait information par Jean Campi. N'a pas tourné encore. À très bientôt. Zami, famille, abonné Jacoute Nouvelle, c'est toujours avec un pile plaisir, la joie, la contentement pour nous capables de rentrer la caillou et porter toute la dernière information pour vous. Pas oublier de brancher Pigorizon information en Jacoute Nouvelle. Ou même qui pas de chance, ça pas dans la semaine, ça, pour capable d'entendre les principales informations, yo. Eh bien, c'est le moment pour capable râler Tichesba ou Chita, nous prenons le bon détail, nous prenons le bon causé, nous prenons le bon information sous Pigorizon information en Jacoute Nouvelle. La principale information pour le mener nous. Tout droit dans CPTA dans primature qui ça qui dit qui ça qu'a fait dans moment n'a parlé là zami famille quel que soit côté ou en dedans ou dehors pays a et bien tendez information ça tendez causer ça parce que Haïti prend dans un complot Haïti prend dans rouleau qui laisse ça a fini chirépite qui laisse ça a fini division en dedans pays a tendez bien oui. Eh bien, il y a Leslie Voltaire qui dit qu'il n'est pas satisfait de performance du gouvernement Conille. Dans ce sens, il m'a dit pressé pour le gouvernement Conille, plus précisément PM Gary Conille, capable de chita avec lui, une façon pour capable de retirer ou bien révoquer quelques ministres dans le gouvernement Conille. Eh bien, il y a PM Gary Conille même qui dit qu'il n'est pas prendre pression. Question pour Abdi que Negyo a bal pression, eh bien ça c'est bobine. PM Gary Conille, li kapé dan, du. Tendez bien, oui, zami abonné Jacoute Nouvelle. Est-ce que c'est principal objectif Negyo ça? C'est division, c'est chirépite qui gagne entre CPT avec la primature. Ou même captain de nous. Abonnez Jacoute Nouvelle, quel que soit côté ou yé. Dans l'espace commentaire, là, entre CPT, entre gouvernement Conille, qui est-ce nous trouver, qui est-ce dans deux gouvernements, ça yo, nous capables de dire, dans tête exécutif pays, qui inefficace. Bien que pas gen, yon nan ou kabay résultat là, non? Si n'a pas gardé, si n'a pas décortiqué avec yon lunette journalistique, pa gen ken nan yo ka bay rezultat nan moment n'a parlé là parce que en dan capital pays a gang toujours continuer fédérer gang toujours continuer et bien mettre dominanger ensemble citoyen qui nan capital là à savoir Solino nan tabac nous pral venir avec plus détail pour et même nan département la Tibonite lan bandi avec gros zam nan men yo sou tout route la pendant gen 11 blindé qui trouvé yo nan département la Tibonite lan. Et bien nous pral vini avec plus détail pour vous rete tande mais CPTA an fonti chita sou li pour nous capable analyser pour nous capable aider comprendre qui ça cap passé parce que nous charger détail Jacoute nous charger couler bas nous pral bon détail nous pral bon causé. Eh bien, il y a un PM Gary Conille qui dit lui-même, tout chita, l'ité chita parler avec Leslie Voltaire, parce que nous n'avons pas rencontré en pile fois. L'ité chita parler, mais nous n'avons jamais parlé sous question inefficacité gouvernement. Mais pour qui je dis, il bagay qui est capable de régler, question insécurité pour qui résout dans le pays, ou un exayo. C'est question pouvoir hein c'est chirépite qui gagne pour capable eh bien remplacer quelques ministres qui pas performant. Eh bien nous capable dire amis abonnés Jacoute Nouvelle
Question changer ministre, question changer si, changer ça en dans CPT, il pas régler en merde, il pas régler en rien en dans pays. C'est volonté d'abord pour qui gagne. Et nous dit la prédit encore. Question trois conseillers président yo qui impliqué dans scandale de corruption qui toujours a fédéré, qui toujours a touché l'argent l'état, eh bien Haïti pas gagne moun encore. Parce que si nous t'es moun tout bon vrai, nèg ça pas te ka sou moun toujours. Tendez bien oui, et nèg accepté bien évidemment que tout bon vrai que yo participé dans scandale ça. Si yo pas accepté tout bon vrai, ou ta presse Smith Augustin jodi a qui ta président conseil là, c'est pas ta liste Voltaire. Si gagne pour capable retirer corps yo dans CPT à ces trois conseillers yo, dans tête exécutif là, ces trois conseillers oui qui impliqué dans scandale de corruption là. Eh bien, dans moment n'a parlé là, zami abonné Jacout nouvelle plus que PM Gary Conin li pas accepté et nous connaît que Lesti Voltaire tendez bien oui, Lesti Voltaire li pas dans ses collègues avec madame Dominique Dupuis. Et c'est ça que fait où elle a passé à côté, une façon pour le capable dire ministre ensemble de ministre pas bail résultat. Elle a parlé des résultats, elle a parlé de madame Dominique Dupuis. Est-ce que nous-mêmes nous pensons que madame Dominique Dupuis lui-même n'est pas bail résultat? Et si il y a un monde, si il y a un ministre qui a bail résultat dans moment-là, le madame Dominique Dupuis. Bah qu'on pourrait sûr. Parce que en pile là où c'est volé, on vient voler en dans pays, c'est volé nèg ça on vient voler en dans pays, mais on pas travaille au profit du peuple haïtien vraiment. Et je dis à si peuple haïtien té moun tout bon vrai, si nous voulons prendre responsabilité nous toujours, eh bien nous t'a supposé faire lever camper. L'aime dit lever camper, c'est pas manifestation non. C'est aller chercher nèg ça au côté ou ya. C'est à chercher nèg ça au côté UEA. Bien que li pa facile pour nous arriver parce que à chaque fois que gagnons manifestation, bien que c'est pas de manifestation m'a parlé là. M'a parlé de réveil national. M'a parlé de réveil national. Pourquoi j'aime gagnons réveil qui fait pour gagner des millions de personnes. Haïti gagne environ 12 à 13 millions d'habitants. Mais côté on 3 millions 4 millions pas lever pour nous capable dire oui, nous pas d'accord. Nous pas d'accord avec ça qui a passé là dans CPT avec Primature là. Et gagné ministre Carlos Hercule qui dit 7 octobre 2025 yo doit continuer ou bien yo doit commencer à question élection en dans pays. Dans octobre 2025 yo doit eh bien organiser élection en dans pays. Mais élection qui pourra l'organiser là avec CPT ça avec gouvernement ça qui pas régler rien qui pas bail résultat là. Est-ce que c'est avec nèg groupe vivant ensemble yo coalition vivant ensemble criminel ça yo pour l'organiser élection? Est-ce que c'est avec bandi Koko Atsaras? Est-ce que c'est avec bandi dans sa vie nèg yo pour organiser élection? Jusqu'à présent nous pas connaît puisque nèg yo di ou coûte que coûte faut que organiser élection. Mais dans qui pays yo pour l'organiser élection ça? Est-ce que c'est pour un groupe de personnes qui pourraient organiser l'élection ça? Pendant qu'on a parlé de l'élection, gagner 7 sous 9 membres du Conseil électoral provisoire. Attendez bien, oui. Gagner 7 membres qui étaient prêtés serment dans la date 18 octobre 2024 dans l'école magistrature qui trouvait sur route Frère. Eh bien, au lieu de cour de cassation, Jean Sakon fait comme d'habitude à Champ de Mars. C'est pas la Noël prêté serment non. Tendez bien oui, pendant n'a parlé de élection, pendant nous dans élection là, pendant n'a parlé de dossier insécurité a que nèg pas capable résoudre pour capable organiser bon gens élection. Gagne 7 sous 9 membres a yo, gagne 3 nan yo qui pas gagne identité. Gagne 3 nan yo, y a cherché identité yo pas même gagne 4 identification nationale. Nous voulons parler de Kadel Malog là. Où est côté nous prend peuple haïtien? Où est côté nous prend? Hein? Où est côté nous prend? Eh bien,
Qui boy al prêter serment sou konnen? Eh bien, c'est dans l'école magistrature là, oui. Parce que, nèg exam, violence nèg exam yo, yo empêche yo al prêter serment côté yo kon abitye al prêter serment. Comme d'habitude, yo pa ka aller directement dans cour de cassation. Tendez bien, oui. Pendant yo là pour capable organiser élection. Eh bien, insécurité qui a ravagé la ville société a, insécurité qui a ravagé capitale là, eh bien, on pas capable prêter serment non. Tendez bien, oui. C'est celle en Haïti pour côté l'État a couru pour insécurité ou la police a couru pour insécurité. C'est celle en Haïti pour garder que yon commissariat hein moun pas capable al porter plainte en commissariat pour insécurité. Même j'en dans département la Tibonite là, commissariat qui trouvait directement dans la rivière de la Tibonite les sous contrôle bandi. Nous rappelons dans jour qui se passe là yo et jusqu'à présent sous commissariat Matissan les sous contrôle bandi. Eh bien, policier qui était dans yo, qui était dans commissariat sa yo, nous voulons parler de commissariat rivière de la Tibonite là, commissariat qui trouvait le sous-commissariat Matissan, eh bien, policier était couru pour insécurité. Eh bien, qu'on y a là et type peuple ça, dans qui ça le prend là. Et élection ça comment le pral faire organiser? Eh bien, il y a 3 nan yo qui ba gen identité oui, dans 7 sous 9 membres yo. Eh bien, n'a pas tant de causer, nous pral tande détail. Eh bien, moun sa yo, qui est yo? Gen Jacques Seyus Joseph, qui représentait secteur paysan. Gen Chinaida Adli, qui secteur vaudou. Gen Nemoud Sanon, qui secteur syndical. Gen Florence Mathieu, qui c'est secteur universitaire. Là. C'est lui-même qui représentait. Eh bien, pendant nous, non, Florence Mathieu, qui représente secteur universitaire, lancé Madame Za, yo pa konnen identité. Eh bien, en pile témoignage, yo besoin témoignage sou li. Tendez bien, oui. Tigan moun za, moun ki pa konnen que de qui moun a parlé là. Tigan moun noue, tigan moun femme nan. C'est lui même qui représente secteur universitaire là. N'a continué gain Jacques Desosiers qui c'est secteur presse là, gain Peterson Pierre lui qui c'est secteur protestant. Eh bien jusqu'à présent mesdames messieurs abonnés Jacoute Nouvelle secteur femme nan avec droits humains yo pou capable joine yon entente concernant représentant yo nan CEPA pour capable compléter effectif qui gain là. Pas oublier c'est 9 lita supposé gain 7 qui là. Et ministre Carlos Hercule dit, dans la date qu'a vini là, nous voulons parler de octobre 2025, faut élection organisée dans le pays. Eh bien, nous avons 7 sous 9. Très certainement, nous souhaitons que nous jouions en tête pour capable voyer l'autre deux représentants. Nous voulons parler de secteur femme avec, eh bien, droits humains pour capable compléter effectif qu'il a. Eh bien, Napton, qui ça prend le bail comme résultat. Mais bien avant, abonnez Jacoute Nouvelle. Est-ce que nous avons élection capable d'organiser dans le pays? Est-ce que nous suspectons élection capable d'organiser dans le pays? Pendant gang, ak versio continue à bay munition pendant gang ak versio continue à bay zam en dan pays a. Tendez bien oui, eh bien dans capital pays a jodi a en dan solino bay ou pas jodi du tout. Eh bien gen yon dame k'ap témoigné, gen yon dame que nous t'ap gardé à travers une vidéo qui viral sur réseaux sociaux côté que dame ça li di yo touye toute famille. Tendez bien oui, li tenon kay c'est celle li même qui chapé monsieur certain saisissement dame ça prend. Eh bien, il va échapper, non? Il va échapper. Eh bien, dame ça, il te trouvé le sous-boudon, côté que lui-même, c'est là, le réfugié, et il est complètement traumatisé. Eh bien, qui ça l'État dit dans bagay ça? Qui ça l'État dit dans bagay ça? Mais qui, ben, de qui l'État? Qui l'État? Pas quelqu'un l'État dans le pays, parce que c'est le peuple haïtien qui doit prendre responsabilité pour qu'il fait pression sur les gens. Eh bien, pendant ça, mesdames, messieurs, abonnez-vous à Jacoute Nouvelle, nous pas prêter là. Nous praler, n'a pas quitté question élection, puisque nous avons aussi marinade sans sauce qui a banné en d'un pays. Tendez bien, oui.
Marinade sans sauce que nèg yo ban nou an dan peyi a parce que nèg yo pa vle prendre responsabilité yo tout bon vrai pour capable éradiquer gang an dan peyi a. Eh bien an fon coup de pied dans département la Tibonite la pour nous dire ça qui dit qui ça k'ap fait. Eh bien dans département la Tibonite là bandi avec gros âme nan men yo jeudi a qui c'est samedi 19 octobre 2024 là eh bien nèg yo te gen gros âme manche nok nan men yo dans zone Mouro. Mais qu'on y a un pile question à poser côté 11 blindé ça au passé. Côté 11 blindé yo qui était dans département la Tibonite là. Bien dit oui qui était parce que c'est du passé. Nous pas capable comprendre comment 11 blindé rivé jeudi pour arriver vendredi 4 octobre 2024 là et jusqu'à présent mesdames messieurs abonnés Jacout nouvelle n'est pas capable mener bon gens opération musclée pour capable et bien ratibraser gang yo et bien n'est pas examen nan men yo sur route là côté que n'est yo et senti au seul chef dans département la Tibonite dans zone Moro côté que n'est yo tap marché yo dit c'est au même qui chef. Eh bien, côté chef de CPA, qui c'est Alphonse dans le département la Tibonite là. Côté, parce que c'est lui-même qui est responsable principal opération yo. Mais jusqu'à présent, peuple a demandé le côté, nous parlons, non? Gen tout Caleb Exantus qui est dans tête du département la Tibonite là. Côté Caleb Exantus passé. Hein? Côté Nomil Rameau passé. Côté au commandement PNH à côté, jusqu'à présent, côté Nexario passé. Eh bien, moun département la Tibonite après les Amré, puisque dans Boukti Rivière de la Tibonite, côté nèg yo commencé, eh bien, opération Deschoukay. Deschoukay, l'aime pas les deux nèg yo commencé, c'est bandit criminel, ça vient yo. C'est bandit criminel, Kokourat sans ratio. Eh bien, c'est nèg sa ou kap fédéré dans département la Tibonite là, avec gros am manche nok dans men yo, sous toute route là, côté yal fait opération Deschoukay. Deschouke, tout ça ou jouen sous route yo. Eh bien, yo même rentré en dan kay, moun yo. Attendez bien oui, il y a une diaspora hein qui fait un bel caille dans Boukti Rivière de la Tibonite qui dit très certainement il pral prend retraite ici là il pral venir. Comment comprendre? Un nèg qui fait tout le temps la travail, un citoyen paisible qui fait tout le temps la travail dans pays États-Unis, bail blanc là hein pour faire caille dans département la Tibonite là pour dire que très certainement il pour retourner dans pays. C'est là la prend retraite li. Il pas gen pays de richan. C'est seul pays sa li gen qui est Haïti, maman chérie. C'est seul pays sa li gen. Et c'est ce se que fait là le travail l'autre bois pour le capable eh bien faire une quantité l'argent pour le capable faire une belle maison, meubler et puis pour le capable prendre retraite li pour le capable venir en Haïti pour le capable installer. Eh bien qui ça nèg yo fait? Eh bien, nèg sa yo rentre nan kay la. Nèg yo rentre la kay la, zami abonné Jacout Nouvel, depuis se bagay yo jwenn sou route yo prend tout. Nèg yo débarqué nan kay la, tout objet de valeur que nèg la t'ap semblé, li fait combien de temps, li fait combien de temps ap semblé bagay sa, nèg yo prend tout. Eh bien, yo détruit rêve citoyen sa. Tendez bien oui, ça pas dit rien. Ça pas dit rien l'état. Ça pas dit en rien PM Gaïkoni. Ça pas dit en rien Nomil Rameau. Ça pas dit en rien Caleb Exantus. Ça pas dit en rien. Hein? Chef de CPA qui c'est Alphonse pour me citer ça seulement. Eh bien oui. Nèg yo te rentre la caille magistrat yo déchapier toute bagay, eh bien c'est la caille citoyen ça nèg ça rentre. Citoyen ça m'a rappelé nous encore qui dit lui-même c'est Haïti. Li te rêve pran retraite li. Ou comment nèg yo détruit rêve moun sa? Hein? Et ou même qui nan diaspora konya la, qui dit ou même tout investissement ou gen pou faire, ou pral faire en Haïti parce que c'est là que pa gen pays de rechange. Parce que en pile nan nou k ap koute Jacout Nouvel en diaspora. N'ap travay l'autre bois, c'est vrai. Mais yon côté n'ap santi nou a lè an dan pays nou. Pi meilleur côté n'ap santi nou a lè an dan pays nou. Mais est-ce que nèg sa yo a ban nou possibilité pour nous capable vivre dans pays nous libre et libre? Eh bien je dis à c'est ça oui dans département la Tibonite là bandi exam cap fédéré fait opération déchoukay. Mais qu'on y a là dans zone stratégique, est-ce que nèg yo pas connaît zone stratégique yo? Zone côté que nèg yo habitué passer pour capable fédérer tant que je dis à dans zone Moro dans Boukti Rivière de la Tibonite
Hein? Pour passer par Kano, nèg yo toujours continuer camper là. Non, répétition, nèg yo c'est la fédéré. Est-ce que la police n'est pas au courant que nèg yo là? Eh bien, je dis à nous prendre un complot. Yon complot côté que l'État li choisit tout bon vrai pour le capable kembe peuple là dans situation difficile que nous trouvons là. Et jusqu'à présent, ni CPTA, ni PM Gaïkoni n'ex sa pa ka jwenn yon entente. Parce que la Valas di ou, par le biais de Lesti Voltaire, yo di coûte que coûte, et bien faut que yo mette nèg yo nan pouvoir. Pas oublier que nèg sa yo di yo longtemps. Et Pacha Vob, nous connaissons qui te fait une déclaration choc. N'a venu avec li pou côté que Pacha Vob sur radio Magique 9 côté que l'étape by intervention sur radio Magique 9. Eh bien, nous connaissons Pacha Vob lui-même si on gros major Jean dans la Valas. Pacha Vob dit Aristide dit Maris Nassis. Eh bien, il dit que faut que PM Gaïkoni avec CPTA joigne une entente. Attendez, oui. Joigne une entente pour qui ça? C'est pour capable retirer, oui. Retirer ensemble deux ministres qui pas fait nèg plaisir, oui. C'est pas pour résultat vraiment ou nèg a goumé là non? Parce que si nèg t'a goumé pour résultat vraiment. Donc ça qu'a passé là dans capital pays a, li pa t'a passé non? Ça qu'a passé la gang qu'a fédéré dans capital pays a, li pa t'a passé non? Hein? Li pa t'a passé parce que nèg t'a pral prendre responsabilité ou puis dit d'abord nous gon sept objectif. C'est organiser bon jan élection et bien résoudre problème insécurité. Premièrement, c'est résoudre problème insécurité, organiser bon jan élection dans pays pour nous capable bailler élu pouvoir. C'est ça pour négocier, c'est entendre ça que nous besoin. Mais entendre Pacha Vob a parlé, c'est pas entendre pour capable organiser élection, c'est pas entendre bien évidemment pour capable gagner une harmonisation entre CPTA avec PM Gaïkoni pour capable résoudre problème insécurité a, c'est pas entendre ça nèg yo a chercher. Entendre nèg yo a chercher, c'est comment pour capable séparer Timoso Gatoa qui c'est Haïti. C'est entendre ça nèg yo a chercher. Nèg yo pas chercher entente pour capable et bien organiser élection tout bon vrai. Et bien on va regarder ça qui a passé la journée jeudi a. Côté que moun solino moun taba pa ka rete la kayo nèg yo c'est non complot nous prend en dan pays a et bien il est temps pour ça fini et c'est vrai que pendant temps ça gen deux policiers qui blessés pa bal côté que PM Gaïkoni tal visite yo mais faut que nous dit tout la police fait un bel coup jodi a dans zone nazon côté que yo mette dominanje et 6 individus qui t'al essayé tenter eh bien traverser yon barricade la police te campé là ou te mette bagay nan men individu sa yo et c'est très bien pour la police mais nan question craser gang nan peuple haïtien attend nous seul côté tendez bien Nomil Rameau PM Gaïkoni tout membre qui nan CPTA Lesli Volte qui représente CPTA journée jeudi a. Peuple haïtien attend un seul bagaille nan menou. C'est rivé craser foyer gang yo dans capitale là. C'est rivé craser foyer gang yo qui trouvé yo dans département la Tibonite là. Oui, parce que moun yo bouke ou pas capable encore. Ensemble des moun qui trouvé yo dans abri provisoire dans capitale pays a qui trouvé yo dans département la Tibonite là qui pas gen côté pour aller journée jeudi a. C'est celle pays ça gagne et leur essayer traverser à la République Dominicaine où est que humiliation yo prend où est c'est Abinadel directement qui a déporté yo massivement en Haïti où est c'est humiliation à prendre en main petit blanc dominicain yo pas gagne l'autre pays est-ce que n'a fait Haïti tourner l'enfer monsieur si n'a fait Haïti tourner l'enfer fait tourner l'enfer pour tout bon mais si nous voulons changer pays à faire tourner et changer pays pour tout bon. Mais si ces peuples là nous voulaient touiller même gens et Wadel le paysan chanter là, il dit si nous voulons touiller peuple là, on fait l'enfoi. Si ces peuples là nous voulaient touiller, on fait l'enfoi. Si nous voulons résoudre problème insécurité qu'il a, on fait l'enfoi. Hein? On fait l'enfoi. Mais
m plus souhaite que nèg yo c'est peuple là ou vle touye. Nèg yo vle tellement pour capable touye peuple là. Ou a gardé que dans le département la Tibonita c'est gang cap fédéré. Nèg yo tellement vle touye peuple là. Ou a gardé yon ti dame, yon ti demoiselle qui gen environ 18 ans, mesdames, messieurs, abonnés, Jacot Nouvelle, eh bien, nan Solino, kote ke li tombe en babal pendant li la kaili. Qui ça veut dire? Eh bien, c'est peuple la nèg vle touye. Eh bien, monsieur, naptan ki sa kap di. Nous même pas bon côté, pas nous. Sous pigo raison information, Jacot Nouvelle, nous là, nap suiv. Et n'a porté information ba ou tout, n'a proposé, eh bien, nous pas seulement pour nous capables de dire qui ça qui dit, qui ça qui a fait, nous même nous proposer tout. Premièrement, nous te dit que pour nous résoudre le problème insécurité, c'est par intelligence au besoin, et puis chercher information, déjà nous avons une information déjà. Nèg yo gen information ki moun kap bay munition, ki moun kap bay zaman dan peyi a. Nèg yo gen toute information sa yo. Troisième bagay, c'est stratégie. Stratégie a li vraiment important. Mais jusqu'à présent, ensemble opération ki menen nan capital la, ou nèg yo pa gen stratégie. Nèg yo pa fè la avec intelligence pour capable consolider espace yo. Eh bien, nous la nap suiv. C'était un plaisir parler en pile fè compte. Nap kwaze dans l'autre capsule. À très bientôt. C'était Zami Port, Bode Port, Nap Kwaze. Une autre fois, sous Pigouezo Information, Diakout Nouvelle. Bonjour, bonsoir tout le monde, à très bientôt.